Bonjour tout le monde et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan. Le sujet d'aujourd'hui m'a donné faim en l'écrivant. On va parler du petit déjeuner français. Petite note avant de commencer. Certains d'entre vous savent que je suis végétalienne. Je ne mange pas de produits animaliers. Donc je ne mange pas tous les produits cités dans cette vidéo. Mais j'en mange quelques-uns. Et d'autres peuvent être remplacés par des produits à base de plantes. Avant de parler des aliments, parlons d'abord du stéréotype que les Français mangent des crêpes au petit déjeuner. Ce n'est pas vrai. Les crêpes sont le plus souvent un en-cas ou un dessert. C'est comme les gaufres pour les Belges. Personne ne mange de gaufres au petit déjeuner en Belgique. Revenons sur le petit déjeuner français. La première chose à savoir à propos du petit déjeuner français, c'est qu'il est le plus souvent sucré. C'est assez rare de prendre un petit déjeuner salé en France, comme des saucisses ou des haricots. C'est assez rare. Le pain est bien sûr l'un des aliments principaux du petit déjeuner français. Certains préfèrent manger de la baguette, d'autres préfèrent manger des tranches de pain, des tartines, grillées ou non. Même si le pain est très bon tout seul, on y ajoute souvent du beurre, de la confiture, du miel ou encore de la pâte à tartiner comme du Nutella. À part du pain, on peut aussi manger de la brioche. La brioche, c'est une sorte de pain qui contient des œufs et du beurre, ce qui la rend plus riche et plus savoureuse que le pain. On peut aussi y ajouter de la confiture. Le beurre de cacahuète, ce n'est pas quelque chose qui a sa place dans le petit déjeuner français, ou en tout cas pas encore. C'est très répandu aux Pays-Bas en revanche. Si ce n'est pas du pain ou de la brioche, on peut aussi trouver sur la table des viennoiseries comme des croissants, des pains au chocolat ou chocolatine, dépendamment du lieu en France, des chaussons en pommes, des chouquettes et bien plus. Tout ça, c'est très sucré, donc il ne faut pas en abuser. Si vraiment on ne veut pas de pain, ni de brioche, ni de viennoiserie, on mange des céréales avec du lait. Rien de spécial à ce niveau-là, je pense que c'est assez universel. Pour ce qui est des boissons, il y en a pour tous les goûts avec du jus d'orange, du lait, du café et du thé. Notez bien que pour le thé, c'est moins commun d'y ajouter du lait. C'est plutôt nature. Pour le café, il y a les expressos avec un X, les cafés noisettes, etc. Il y en a pour tous les goûts. Pour finir, je vais vous révéler le secret du petit déjeuner français. Beaucoup aiment tremper leurs tartines dans leur café ou dans leur lait. Je ne mange pas de pain tous les jours, mais quand j'en mange, je le trempe toujours dans du café bien chaud ou dans un bol de lait bien froid. Dites-moi ce que vous en pensez, car je sais que beaucoup trouvent ça dégoûtant. Et bien sûr, partagez avec moi ce que vous mangez pour le petit déjeuner. Si vous prenez un petit déjeuner, car beaucoup ne prennent pas le temps de s'asseoir et de manger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à mes patrons pour votre soutien et je vous retrouverai dimanche prochain pour un nouveau chit-chat. À dimanche prochain.